La technique du roulé. Le roulé permet de faire passer les balles d'un ramasseur à un autre à la fin des points et à l'extérieur de la zone de jeu. Cette technique est utilisée pour sa discrétion, sa précision et sa rapidité. Pour réaliser un bon roulé, il faut avoir une bonne mise à niveau, c'est-à-dire bien se baisser et être fléchi sur ses deux jambes. Les deux pieds doivent être orientés dans la direction du roulé. Le geste à effectuer s'apparente à un coup droit réalisé en étant de profil avec une rotation du buste. La main libre vient accompagner le geste et ne doit pas être appuyée sur la jambe ni collée au corps. Si l'on est droitier, il faut mettre le pied gauche devant et à l'inverse le pied droit si l'on est gaucher. La balle doit être lâchée au niveau du pied d'appui avant au ras du sol. Il y a alors un transfert du poids du corps vers l'avant, ce qui implique que le pied arrière doit passer devant à la fin du geste. Pour l'enchaînement des roulés, un pas croisé est nécessaire tout en restant bien bas sur les appuis. Pendant ce mouvement, on récupère la balle dans la bonne main pour enchaîner le deuxième roulé.